Coucou tout le monde. Donc non, ne vous inquiétez pas, je vais pas ouvrir une chaîne de cuisine, je vais pas faire des vidéos cuisine, mais je vais essayer de refaire des recettes de cuisine. Donc pour aujourd'hui, j'avais pas trop préparé, je fais un peu comme ça à la wall again pour essayer un peu. Du coup, bah j'avais pas non plus 100 millions d'ingrédients. Du coup, bah je teste avec un truc assez simple, assez facile et voilà. Donc, je suis munie de l'iPad et je vais essayer de reproduire la recette de la petite Enjoy Phoenix. Donc qui a fait un mug cake spéculoos et je vais essayer de le reproduire pour que vous voyez la texture que ça donne, parce que souvent les vidéos de cuisine, on voit que c'est tout parfait, tout nickel et tout quand c'est fait, et après quand c'est nous qui le reproduisons, c'est pas tout à fait pareil. Donc je vais reproduire sous vos yeux et puis je pense que ça va être assez drôle. So let's go. Alors il faut 2 cuillères à soupe de farine. C'est parti, on va chercher la farine. Farine is here, you know. Alors c'est parti, 2 cuillères à soupe de farine. On se munit de petits bols. Une. Ah, soupe, merde. J'ai mis cuillère à café. Bah tant pis, 4 alors. J'en ai pas mis partout encore. Très bon début pour Alex. Ensuite, il faut 4 cuillères à soupe de gâteau spéculoos. Je sais pas si je sais, merde. Bon bah tant pis, moi j'ai pas de truc spéculoos. Du coup, ce sera de la crème spéculoos comme ici là. Mise au point, voilà. Donc ce sera ça, hein. Ça passera très bien. Alors déjà là, c'est déjà la catastrophe. Donc... une. Déjà ça va être trop dur. Ah, la cuisine, c'est dur, hein. Ouh là là. Donc ça a une texture clairement bien dégueulasse. Voilà, on dirait de la merde, c'est génial. On se munit de la petite cuillère à soupe. Avec la mise au point, c'est toujours mieux. Tac, la petite cuillère à soupe, crari. Alors, on rangera après, hein. Moi je suis un gros bordélique de toute façon. Ensuite, qu'est-ce qu'il faut, Phoenix? Alors là, attention, on pousse tout, ça va être juste la grosse catastrophe. Alors là, attention, ça va être la catastrophe, parce que moi, je sais pas différencier le jaune du blanc. Je sais pas comment faire, moi. Alors, c'est parti pour la cata. Je fais comment maintenant? Oh. Non, putain, il y a le jaune qui veut sortir. Non. Le jaune, il est sorti. Non. Oh là là, le bordel. Et comment je fais, moi? Putain, je voulais pas qu'il sorte, con. En gros, je suis en train de retirer le jaune. Bon, bah, c'est pas grave, il y aura un peu de jaune, hein, parce que là, hein, je peux pas non plus faire des miracles, là. Il faut 25 grammes de beurre. Bon, bah, ça sera complètement au pif. Allez, pas trop de beurre, après, c'est gras, le beurre. On va grossir pour rien. Donc, tac, on va mettre un peu de beurre, mais pas trop non plus. Et voilà. Allez, hop, à la wall again. Tac. J'espère que c'est fini, parce que là, c'est trop, hein. Ça coûte trop cher. Alors la farine, la levure, quel mélange au préalable. Je parle comme une youtubeuse beauté, comme Enjoy Phoenix, tout va bien. Donc là, je viens mettre la farine. Attention, je vais en mettre de partout. Ah non, tout va bien, j'en ai pas mis de partout. Alors je viens mélanger. Ah, c'est la merde pour mélanger. Donc ensuite, je prends la pâte à tartiner. La pâte à tartiner, je la mets dedans. Je sens que ça va ressembler juste à rien. Donc pour moi, c'est du petit matin léger. Histoire que ça fasse quelque chose d'homogène, comme dit Mademoiselle Phoenix. Alors là, je viens mélanger le tout, c'est... oh mon dieu. Ça a l'air strictement dégueulasse. Ça ne ressemble strictement à rien. Et merde, j'ai mis trop de lait, je pense. Ah non, ça va. Ça devient un peu pâteux. C'est super appétissant. Je mélange, je mélange, je mélange, je mélange, je mélange, je mélange. Oh, j'ai la même texture que Phoenix. On a quelque chose de... oui. Dans un saladier à côté, je vais venir mettre mon blanc d'œuf. J'ai pas de saladier. Moi, je vais les monter dans ça. Et avec un petit fouet, j'essaye de les monter en l'air. Donc ensuite, là, je vais la mettre au micro-ondes. Donc la texture... final ressemble à ça. Donc là, le micro-ondes est en train de tourner. L'heure fatidique arrive. Voilà la texture. Donc franchement, ça a l'air bon. C'est assez ressemblant que sur sa vidéo. Maintenant, je vais goûter. Est-ce que c'est bon? Est-ce que c'est dégueu? Ah, je me suis brûlée. Voilà genre ce que ça donne.
Franchement, c'est un peu trop sec. Un peu trop sec, mais sinon c'est bon. Bon, après, il y a des éclaboussures partout. Faites gaffe au micro-ondes parce que ça explose genre de partout, partout, partout. Mais dans l'ensemble, ça va. Jusque là, elle, c'est parfait et nous, c'est dégueulasse. Mais dans l'ensemble, agréablement surpris. La texture, franchement, elle passe bien. C'est bien ce qu'on recherche. Donc voilà, tout le monde, la vidéo est maintenant terminée. J'espère qu'elle vous aura plu. J'espère qu'elle aura été sympa et drôle à regarder. Et donc voilà, je pense qu'on peut approuver le dessert d'Enjoy Phoenix. Je pense qu'il passe assez bien et qu'il est assez ressemblant à la vidéo. Ça va, c'est pas non plus un flop total. Et si vous voulez d'autres sortes de vidéos comme ceci, n'hésitez pas à mettre un pouce en l'air et à me le signaler en commentaire. Quant à moi, je vous embrasse fort et je vous dis à la prochaine pour une nouvelle vidéo. Bye.